Hello, bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, fabrication de falafel. Pour ceci, qu'est-ce qu'il nous faut ? Des pois chiches, du sel, du poivre, des graines de sésame, du paprika, du bicarbonate de soude, de l'ail, des oignons, de la coriandre fraîche, de l'eau, de l'huile pour la cuisson, et c'est tout. Première chose, là il faut y penser la veille. Les pois chiches, mettez de l'eau. Et vous les laissez dans l'eau pendant 24 heures. 24 heures après, vous voyez, les pois chiches ils ont bien gonflé. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire un peu de place. On va prendre, un tissu. Et là, on va mettre à sécher. Voilà. Donc, on va les laisser sécher. Tranquillement, hein. Tranquillou les petits pois chiches. En attendant que les pois chiches sèchent, on mixe l'ail, l'oignon et le coriandre. Prenez un plat et on va mettre et voilà. Dégage. Ah. Alors là, on va attendre. Hein. Pas encore bien sec. On va attendre que ça sèche bien. Ça va s'aller. Ben voilà, ben c'est sec. Hein. Allez. On va mixer tout ça. Et voilà, bien. Et ben voilà, impeccable. Vous avez compris, hein, on va mélanger nos pois chiches.
mélanger bien. On va saler. Poivre. On va rajouter bicarbonate, paprika et les graines de sésame. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on va les cuire. Pour la cuisson, prendre de l'huile. Attendez que votre huile soit bien chaude. Hein. Délicatement. Et bien voilà, nos falafels, ils sont réussis. Hein. Il n'y a plus qu'à passer à table. Je vous souhaite très très bon appétit et on se dit à très très bientôt.